Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Disons-le encore ensemble. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide. Il sera ton guide. En marchant tout près de toi. En marchant tout près de toi. Et va marcher avec amour. Avec amour. Avec la force et la sagesse. Il va ouvrir un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Il va ouvrir un chemin. Il ouvre un chemin. Disons encore, Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé. Là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi. Il œuvre pour toi. Dans le secret. Dans le secret. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Tu vas dire, Dieu ouvre un chemin pour moi maintenant. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Pour moi dans le secret, il ouvre un chemin pour moi, il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, il œuvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, mon Dieu ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Chemin, là où tout semble fermé, il œuvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi, il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Quelles que soient les situations, il ouvre un chemin. Quel que soit ce que tu comprends pas, il ouvre un chemin. En toutes circonstances, il ouvre un chemin. Mon Dieu ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Mon Dieu ouvre un chemin.
chemin. Je déclare, je le confesse. Si tout semblait fermé, je crois que tu es le maître des brèches. Tu es le maître qui ouvre des chemins dans le désert, là où tout semble sombre. C'est toi qui ouvre le chemin. C'est toi qui ouvre le chemin. Mon Dieu, ouvre le chemin. C'est toi qui ouvre le chemin. Tu ouvres un chemin. Les bêtes ont dit que c'était plus possible, mais tu ouvres un chemin. Il crée la possibilité. Tu crées les choses possibles là où c'est dit impossible. Quand tu ouvres un chemin, quand tout semble compliqué, Seigneur, tu ouvres un chemin. C'est toi qui ouvres le chemin. Faisons confiance dans les blocages financiers, familiaux, quand tout est bloqué. Tu ouvres, quand toutes les portes sont fermées, lorsqu'on nous a dit que c'est impossible, tu ouvres le chemin. Tu ouvres un chemin. Tu ouvres un chemin. Lorsqu'il n'y a plus d'issue, chemin. Tu ouvres un chemin. Quand il n'y a plus d'issue, tu ouvres un chemin. Tu ouvres un chemin. Tu ouvres un chemin. Alléluia, c'est toi qui ouvres le chemin. Car Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as le dernier mot. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est toi qui as le dernier mot. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les circonstances. Pendant que nous déclarons ces paroles, comme de Dieu, déclarons-la avec foi, avec cette conviction de Dieu. Alléluia. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur son trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même si toutes les portes se ferment autour de moi, Jésus est Seigneur. Même si tout le monde m'abandonne, Jésus est vivant. Même si je n'ai plus personne pour me supporter, Jésus est sur son trône. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. C'est toi le dernier mot. Tu as le dernier mot. Même si la médecine dit que c'est impossible, Jésus est Seigneur. Même si mes finances disent que c'est pas possible, Jésus est vivant. Même si tout le monde me dit que c'est plus possible, Jésus est sur son trône. Jésus, tu as le dernier mot. Le dernier mot, c'est toi. Tu as le dernier mot. Le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oh, oh. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. C'est toi le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. C'est toi qui vas conclure. Tu as le dernier mot. Ce ne sont pas les médecins. Ce n'est pas les politiques. Oh mon Dieu. Tu as Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Ma vie n'est pas dans les mains des hommes, Jésus. Le dernier mot. Les circonstances sont pas dans les mains des hommes. Le dernier mot. C'est toi, Jésus, qui as le verdict final. Tu as le dernier mot. Ce sont pas les sorciers. Tu as
sont pas les méchants. Le dernier, je ne me fie pas dans le pronostic des hommes. Mais c'est toi qui es le dernier. Je me fie à toi. Tu as le dernier mot. Le dernier. Tu as le dernier mot. Acclamer toi qui as le dernier mot. Toi qui as le dernier mot. Toi qui dis la chose à vie. Toi qui dis la chose produit. Le mot t'appartient. Tu as le dernier mot. Alléluia, nous t'élevons, toi qui as le dernier mot. Nous te célébrons, toi qui as le dernier mot. Nos vies sont entre tes mains. Nos vies ne sont pas dans les mains des circonstances, dans les mains des pronostics des hommes, mais entre tes mains, Seigneur Jésus. Tu as le sifflet final, tu es l'arbitre du match. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui siffle la fin. Ce ne sont pas les hommes. Quand la science dit que c'est fini, pour toi c'est pas fini. Quand les hommes disent que c'est fini, pour toi c'est pas fini. Et ce soir nous sommes assemblés avec le maître des brèches, avec celui qui ouvre les brèches, avec celui qui ouvre une porte, avec celui qui donne encore, avec celui qui ouvre encore, avec celui qui achève, avec celui qui est l'alpha et qui est l'oméga, avec celui qui est le premier et le dernier. C'est en toi que nous nous confions, c'est en toi que nous croyons. Notre foi est en toi. Les gens disent beaucoup de choses, mais nos yeux sont sur toi. Là où on dit que c'est impossible, c'est toi qui as le dernier mot. Là où on dit on ne peut pas, c'est toi qui peux le faire. C'est à toi que nous nous fions, c'est en toi que nous nous confions. Car nous croyons en toi, nous croyons en toi, tu as. Oh Jésus-Christ, toi l'alpha, l'oméga, le dernier. Toi l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Le commencement, la fin. Tu as le dernier, tu as le dernier mot. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre Dieu est le Alléluia, il est le Amen. Le Amen, ça veut dire il est le ainsi soit-il. Tu es le ainsi soit-il. Tu es celui qui met la fin, qui met le point final. Tout ce qu'on a pu dire avant, ce n'est que virgule. Ce n'est que des points à la ligne. Mais le point final, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es la majuscule du démarrage. Et tu es le point qui vient terminer la phrase. Et qui vient terminer le livre. Et qui vient terminer l'ouvrage. Tant que le point n'a pas été placé, ce n'est pas encore terminé. Tant que ton point n'est pas venu, ce n'est pas encore terminé. S'il y a des choses qui ressemblent à des points, c'est peut-être des points à la ligne, mais ce n'est pas le point final. Il y a un seul qui s'appelle le point final, c'est toi notre Dieu. S'il y a une sorte de stop, ça peut être une virgule, mais ce n'est pas encore le point final. S'il y a un point avec une virgule, c'est un point virgule, mais la phrase n'est pas encore terminée. Ma vie est un livre dont tu as le point final. Tant que tu n'as pas fini d'écrire, mon histoire n'est pas terminée. Même si je ne vois pas l'issue, tu es l'écrivain du livre, tu es celui qui écrit le scénario et tu le transformes à ta guise. Et je sais que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Alors je sais que même si le film en ce moment est dangereux, même si on n'a pas l'impression que quelque chose va en sortir, même si le film semble obscur, c'est toi le scénariste, c'est toi qui écris. Tu transformes l'histoire à ta guise. Tu l'orientes là où tu veux. Tu es le Dieu, tu es le Seigneur Tout-Puissant. Et nous voulons le déclarer que le point final t'appartient, que le dernier mot est à toi, que tu es celui qui crée des circonstances dans ce film. Ô Père, nos yeux sont sur toi et nous croyons en toi, Jésus. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu.
Alléluia. Alléluia.